Donc ici on est à l'académie de Wing Chun traditionnelle, donc à Paris. Voilà, c'est l'académie de Sifu Didier Bédard, qui est professeur de Wing Chun depuis maintenant 30 ans je crois. De ceux que j'ai rencontrés, c'est le meilleur prof de Wing Chun que moi j'ai rencontré personnellement. Probablement qu'il y en a d'autres, mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui représente bien l'art et qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Et donc c'est pour ça que je viens. Comme j'habite en Belgique, c'est à 300 km de Bruxelles, donc je viens assez régulièrement, pas souvent, mais dès que je peux, je fais un petit aller-retour à Paris, un petit séjour, et parfois un week-end, parfois une semaine, parfois deux semaines, je suis une fois resté un mois. Et, voilà, c'est l'académie dans laquelle je viens souvent et dans laquelle je prends vraiment plaisir à venir m'entraîner. Ouais. Je dirais le premier avantage de cette académie, c'est que c'est une académie où, professionnelle, c'est-à-dire que on enseigne, enfin Didier Bédard enseigne à temps plein, et alors il y a des cours tous les jours. Et quand on va, par exemple, moi je loge à l'académie, je peux dormir ici, donc c'est-à-dire qu'on peut s'entraîner la journée, on peut s'entraîner le soir. Il y a des cours avancés, des cours débutants, et l'académie est vraiment belle aussi. Il y a des mannequins de bois, il y a du matériel pour s'entraîner. Voilà, le cadre fait beaucoup. Le cadre motivant, on va dire, pour s'entraîner. Et voilà, le fait de pouvoir s'entraîner tous les jours dans un art martial, c'est pas si fréquent que ça en Europe d'avoir quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle. Alors c'est vrai que j'ai commencé par le Kung-Fu, donc ici le Wing Chun c'est un style de Kung-Fu, il y a plein de styles de Kung-Fu, il y a, on va dire, une dizaine de grands styles, et parmi ces grands styles il y a le Wing Chun qui est un style du sud de la Chine, donc essentiellement axé sur les bras. Alors en fait j'ai commencé par ça parce que j'étais, ma source d'inspiration au départ dans les arts martiaux c'était Bruce Lee, comme des millions de personnes dans le monde, et Bruce Lee avait commencé par le Wing Chun à Hong Kong, et donc moi j'ai eu la chance d'avoir un club de Wing Chun dans ma ville, à Louvain-la-Neuve. Moi j'ai toujours été intéressé par les arts martiaux chinois. Je pense notamment à travers les films de Bruce Lee, les films de Jackie Chan, les films de Jet Li. Et la philosophie chinoise m'a toujours inspiré aussi, la culture chinoise. Je me souviens, hein, j'avais commencé le Wing Chun et puis j'ai regardé la cassette, à l'époque c'était des cassettes vidéo, des VHS, et j'ai regardé la cassette vidéo de Didier Bédard et je trouvais, enfin voilà, j'étais vraiment impressionné par la maîtrise de... Un jour, il a donné un stage à Bruxelles, je crois que c'était en 2003, et je suis allé au stage, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais, malgré le fait que j'avais fait du Wing Chun pendant quelques années, j'avais pas un très bon niveau. Le Wing Chun, c'est un peu compliqué parce que toutes les écoles sont un peu différentes, et chacun dit qu'il a le meilleur style, ou le style de Yip Man, hein, parce que Yip Man, c'est un peu le dernier grand maître, et notamment au niveau des déplacements, je pense que son style est très fort au niveau des déplacements, alors qu'en Wing Chun, le déplacement, justement, c'est souvent une lacune. Et voilà, et en plus de ça, il a fait du Shaolin du Nord pendant 10 ans, il a fait du China, du Tai Chi, il fait aussi du Jiu-Jitsu brésilien, c'est quelqu'un de très très ouvert dans sa pratique, mais qui reste traditionnel, et qui a une réelle maîtrise de ce qu'il fait, et ça c'est rare aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont bons, mais des gens qui maîtrisent réellement, et qui donnent la peine de s'entraîner plusieurs heures par jour pendant des années, pour arriver à une certaine maîtrise de leur art, c'est assez rare. Et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez lui, ouais. Et c'est lui qui m'a donné envie de continuer à pratiquer le Wing Chun, ouais. Thank you.
Et alors, je crois que c'est mon premier séjour à l'académie ici à Paris, c'était en 2006, et je venais avec mon ami Pierre, et on venait quand même assez souvent, on essayait de venir 3 fois par an. Et en 2009, je me suis dit, il faut que je vienne un peu plus longtemps pour que mon niveau monte d'un cran. J'avais encore pas mal de lacunes. Et alors en 2009, je suis venu un mois, et j'ai l'impression que ça a été un peu le déclencheur. C'est ce qui m'a. Un mois de Wing Chun à temps plein, c'est quand même, ça a vraiment fait la différence. Parce que j'avais déjà tout le bagage d'avant. Là, ça s'est vraiment débloqué, j'ai envie de dire. Voilà. Et après ça, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise. Le fait de venir ici à l'académie, c'est toujours un plaisir. Pour moi, ici, il y a plein de souvenirs. Mais maintenant, ça fait 10 ans que je viens, en fait. Et c'est toujours, je me sens un peu comme chez moi. Je suis toujours bien accueilli. Je peux dormir dans l'académie. Sifu Didier Bédard est super accueillant, super généreux. Voilà, on s'entend très très bien. On est plus proches aussi maintenant. On a une certaine amitié. Donc il y a la relation prof-élève dans le cours. Et puis en dehors du cours, on rigole, on passe des bons moments. Voilà, je l'invite à manger, etc. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Et alors aussi, je l'ai invité plusieurs fois en Belgique. Je pense que ça a consolidé aussi les liens. Donc mon sentiment quand je me retrouve dans des lieux comme ici, c'est que je me sens super privilégié. Je me sens privilégié parce que j'ai l'opportunité de beaucoup voyager, parce que je voyage dans des beaux endroits, même si c'est pour les entraînements, c'est ma priorité, mais je pense que ce qui me donne aussi l'envie de revenir à chaque fois aux mêmes endroits, comme à Paris, à Genève, à Los Angeles, etc., en Thaïlande, c'est simplement que j'aime beaucoup les endroits où je m'entraîne, en dehors des salles d'entraînement elles-mêmes. Voilà, donc j'ai de la chance que mon prof de Wing Chun soit à Paris, que l'Académie No Santo soit à Los Angeles, qu'il y ait les camps de boxe thaï en Thaïlande, etc., que Jihad soit en Malaisie, ou que Florin soit en Martinique. C'est vrai que c'est assez hallucinant, c'est chaque fois des beaux endroits, des endroits où je peux vraiment profiter. Après, je pense que j'ai de la chance parce que j'adore à la fois les villes et la nature. Donc j'aime bien le style de vie urbain, je pense que je suis quelqu'un plutôt citadin. Et alors je profite vraiment des villes quand je me déplace. Et une ville comme Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup, puisqu'elle est une des plus belles villes du monde, avec un passé, une histoire, une culture, etc. Même prendre le métro, se poser dans un parc, prendre un bouquin, faire une sortie, aller dans un restaurant. Et au final, c'est ce qui permet d'avoir un bon équilibre entre l'entraînement et le fait de simplement profiter de la vie. De plus en plus, j'essaie de trouver cet équilibre-là. Entre voyager pour ma passion, voyager pour m'entraîner, et puis voyager pour le plaisir de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes. En même temps, c'est vrai que parfois, comme je voyage beaucoup seul, ça me renvoie aussi à certains moments à certaines solitudes. J'ai quand même pas mal voyagé en couple, et donc dans les périodes où on est seul, ça me manque aussi. Et en même temps, je passe rarement des mauvais moments, mais c'est quand même plus agréable de partager ces voyages et ces expériences avec une autre personne, même si c'est pas toujours possible. Et maintenant, simplement, là, je suis à un moment de ma vie où j'ai le luxe de mélanger ma passion, mon travail et le fait de simplement profiter de la vie, prendre plaisir de l'endroit où je suis et dans des endroits qui sont parmi les plus beaux du monde en fait. Et ouais, je me sens privilégié, je me sens vraiment privilégié. Je rencontre beaucoup de bonnes personnes, je rencontre beaucoup de personnes intéressantes et j'ai de la chance et le temps de pouvoir revenir à chaque fois aux endroits dans lesquels je m'entraîne.
vrai que quand j'étais plus jeune, avant de commencer les arts martiaux et au tout début, on était... Il n'y a pas internet, les vidéos, on n'en avait pas beaucoup, ça coûtait assez cher. Et puis une des sources d'inspiration et de documentation, c'était les magazines d'arts martiaux. Je pense que, et alors comme voilà, en Belgique, en France, notamment le magazine Karaté Bushido, les premières choses que j'ai lues sur Danilo Santos, sur Bruce Lee, c'était vraiment dans les magazines d'arts martiaux. Et alors ça nous fascinait à l'époque, on était là, ouais, les profs, ils doivent être géniaux d'avoir ce niveau-là, d'être connu dans les magazines, etc. Avec le temps, je me suis fait aussi connaître. Et quelque part que Karaté Bushido me contacte aujourd'hui pour pouvoir faire un article quelque part sur mon parcours, sur mon bouquin, sur les styles que je pratique, sur ma philosophie des arts martiaux. Et quand ils m'ont contacté, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, bon voilà, mais c'est une forme de reconnaissance. Je ne vais pas dire que c'est un aboutissement parce qu'on ne le fait pas pour ça à la base. Enfin, moi, je ne m'entraîne pas pour être dans les magazines, mais être dans un magazine, c'est une reconnaissance extérieure. Et c'est vrai que c'est un peu la roue qui tourne, en fait. C'est comme maintenant le fait que je donne des stages. Avant, je voyageais énormément pour les stages et partout en Europe et à l'étranger, etc. Maintenant, c'est moi qui commence à voyager pour donner des stages. Donc, les gens me demandent, m'appellent, etc. Et m'envoient des messages pour pouvoir organiser des stages en Belgique ou à l'étranger. Et voilà, et le fait qu'on me contacte, que je vienne à Paris pour faire une interview, pour faire des photos, là c'est valorisant, franchement. De fil en aiguille, pour moi, j'ai trouvé aussi cette ouverture d'esprit, en fait, c'est de pas se limiter à cette discipline. Pas faire tout et n'importe quoi, mais voilà. Et alors, j'ai commencé par le Wing Chun et je continue aussi encore le Wing Chun actuellement, qui est vraiment un peu le système de base de nouveau aussi. Et que c'est un système que j'apprécie beaucoup. Avec les médias, je trouve que écrire un bouquin, faire des vidéos, avoir des articles dans des magazines, tout ça c'est complémentaire en fait. Donner des stages aussi et enseigner de manière physique, concrète, c'est une manière assez complète de se faire connaître, de faire connaître son travail et d'être connu pour ce qu'on fait. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que j'aurais un article de 4 pages dans le magazine Karaté Bushido, je l'aurais peut-être pas cru, donc voilà. D'être invité par un magazine français alors que je suis belge pour représenter un petit peu le milieu martial belge, c'est vraiment un honneur quoi, franchement. Et je me dis voilà, c'est aussi une forme d'accomplissement et de reconnaissance du travail que j'ai fourni depuis plus de 20 ans. Mon but, c'est de partager ma passion, et aujourd'hui, si on veut le partager avec le plus de monde possible, ça passe par les médias quoi, et transmettre un message positif aussi et une bonne image des arts martiaux, c'est important. Et du coup, je pense que les magazines, ça reste, et notamment le magazine Karaté Bushido, ici en France, en Belgique, dans le monde francophone, ça reste une forme d'institution, un passage obligé, on va dire ça comme ça. Ouais.